Donc en tant que maître d'ouvrage, on a choisi et décidé d'utiliser cette méthode à travers en fait une expérimentation, car on a tous des pratiques un peu différentes et des niveaux de maturité qui ne sont pas tous les mêmes. Et on a souhaité, sur une opération donc, de 100 logements étudiants, travailler avec cette méthode en retenant des entreprises qui étaient eux-mêmes lauréats en fait, d'un appel à projet national du PUCA sur les bonnes pratiques en matière de BIM. L'idée étant pour nous de travailler sur un cas concret pour s'obliger en fait, à aborder le sujet, notamment des éléments techniques et de la manière dont on peut aborder la maquette numérique qui sera entre guillemets notre propriété en tant que maître d'ouvrage, et surtout réfléchir sur nos pratiques permettant d'avoir une approche prospective sur ce qu'on fera avec en fait ces données en termes d'exploitants sur la gestion et la maintenance de nos immeubles.